Et salut à tous les amis, c'est moi Fou et aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon petit casier de danse parce que oui, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont demandé « Moi Fou, est-ce que tu pourrais montrer ton casier s'il te plaît ?» tout ça. Bah écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo-là. Bien sûr, avant de vraiment commencer la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment très important pour atteindre les 5000 abonnés et atteindre mon rêve des 100 000 pour avoir le petit logo YouTube, donc le petit trophée. Donc merci à tous ceux qui m'aideront. Voilà, c'est tout. Bah, c'est grâce à vous, il n'y a pas à chier. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit casier de toutes mes danses. Bien sûr, il y aura toutes les danses payantes comme les danses dans le pass de combat parce que d'un côté, elles sont aussi payantes. Et on a aussi les danses qui sont gratuites. Tout est rassemblé. Bien sûr, j'ai pas pu faire deux vidéos tout d'un seul coup, les skins, pioche, planeur, tout le, je peux, c'est impossible parce que la vidéo a duré 3 ans. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer toutes mes danses de mon casier, à partir de la première danse, mais en faisant que les petites danses. Bien sûr, il y a des danses, je vais faire gaffe parce qu'il y a des droits d'auteur sur certaines danses. Donc là, on arrive ici. Donc là, on commence directement avec la première danse. Donc la première danse qui est sortie, il n'y a pas très longtemps. Surtout que celle-là, elle est gratuite. Je vais vous montrer comme ça, petit à petit. Donc celle-là, elle est assez cool. Celle-là, elle est assez vieille. Hein. Celle-là, elle est payante. Tout cela, je ne me rappelle plus. Ça, non, non. Là, celle-là, elle est stylée aussi. Ok. Celle-là, elle est payante. Après, je sais qu'il y en a qui sont payantes en haut, mais je sais pas vraiment lesquelles. Mais après, c'est vraiment pour vous montrer directement toutes mes petites danses. Celle-là, elle est assez stylée. En fait, j'ai celle-là et celle-là. D'ailleurs, des gens qui l'ont pas, celle-là, je sais pas pourquoi. C'est vraiment toutes les danses. Comme vous pouvez le voir, il y en a, c'est de la saison 1, chapitre 1. Il y en a, c'est de la saison 5, saison 6, saison 10, saison 4, saison 8. Celle-là, c'est la nouvelle. Saison 7. Celle-là, elle est payante, sûr. Celle-là, je m'en rappelle plus. Je pense pas. Saison 8. Saison 8. Saison 4. Saison 6. Saison 2. Eh. Celle-là, saison 2, les gars. Celle-là, elle date vraiment, mais c'est un truc de ouf. Elle a presque 2 ans, cette danse-là. Elle est pas mal aussi, celle-là. La 7. La 6. Tout ça, c'est les nouvelles. Là, la saison 2. Saison 3. Ça remord, ça remet des petits souvenirs dans notre tête. La saison 4, là qu'on attendait tous. Comme des cons. Ah, celle-là, elle est payante. Saison 3. Celle-là, elle est payante, il me semble. Celle-là, non. Celle-là, oui. Franchement, j'ai quand même pas mal de danses. Après, je te dis, il y a vraiment des danses où c'est payante. Il y a des danses où c'est gratuite. Vraiment, c'est pour vous montrer toutes mes petites danses de mon casier. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé. Et je réalise vos petits rêves. Celle-là, elle est payante. 100%. Et celle-là aussi. Stylé. Celle-là payante aussi. Celle-là, non, non. Celle-là est payante. 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 Non. Non. Ouais, payante. Stylé, celle-là aussi. Quand même pas mal de danse. Celle-là, je me rappelle plus, je pense pas, je sais plus. Elle est stylée celle-là. Ça, elle est payante. J'ai quand même pas mal de danse payante. Vous dire combien j'en ai, je sais pas, parce que je me rappelle plus ceux qui sont payants ou pas payantes. Mais j'ai quand même pas mal de danse. Ah, ça va être stylé aussi. Et quand même pas mal de danse. Hein. Celle-là, elle est stylée. Bah celle-là c'est les camps en rage hein. Je pense que plus d'une personne. Alors la petite anecdote sur cette petite danse là, c'est que elle me refait penser à mon ancienne manette. Parce que justement ma manette elle est jaune et j'ai fait pareil. Donc paix à son âme. Si t'as regardé la vidéo jusque là, bah tu marques hashtag rip manette. Jaune. Ah celle-là elle est rigolade celle-là. Je pense que sur tous les danses, il y en a, ils sont super cool. Gardez-vous. Saison 6, la 10. Ah, celle-là, elle est payante, sûr. Celle-là, payante aussi. Ah, ça, c'est la toute première. Saison 1. Vous dire combien j'ai de danse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, on a 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 106, 12, ça fait 114, 15, 7, 7, 8, 9, 20, 20. J'en ai 121 danses en tout. Donc ça fait quand même pas mal de danses. Et heureusement qu'on les a pas forcément tous payés. Après, quand t'achètes un pass de combat, en général, bah, tu payes quand même. Mais heureusement que je les ai pas tous payés, voilà, parce que sinon, bah, déjà, personnellement, je sais pas combien j'ai dépensé en tout. Mais ceux qui ont eu le temps de compter, dites-moi en commentaire, j'en ai pour combien. Et si vous savez lesquelles danses sont payantes et quelles sont pas payantes, ça serait, j'aimerais bien savoir, parce que moi, il y a des danses, je me rappelle plus. C'est vrai qu'ils ont dû marquer ceux qu'on achète avec un petit logo acheté ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un peu difficile de savoir, voilà, quel on a gratuit. Après, je sais qu'il y en a, ils calculent ceux qu'ils ont payé aussi à 10 euros, bah, le pass de combat et qui calculent ça. Mais bon, après, chacun. Tiens, parce que chacun se fait ce qu'il veut. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo-là, de vous montrer tout mon petit casier des différentes petites danses. Vous inquiétez pas, je vous ferai aussi une petite vidéo sur tous les skins. Là, par contre, il y en a beaucoup plus. Mais là, quand je dis beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Les pioches, c'est pareil. Par contre, les sacs à dos, voilà, c'est juste les sacs à dos des saisons passes, tout ça. Et des parapluies, personnellement, des planeurs, je suis pas trop fan d'en acheter. Voilà, donc je vous ferai une vidéo donc des skins, des planeurs et des petites pioches prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'attends vos ressentis, voir un peu si ça vous a plu ou pas. Dites-moi en commentaire, vraiment. Est-ce que j'ai fait le pigeon ou pas trop? Ça va. Moi, personnellement, je trouve que ça va encore. Voilà, j'ai quelques danses quand même, mais je suis pas plus gros pigeon de ses morts comme il y en a certains. Et après, on a aussi les vêtements d'armes aussi. Donc voilà, je vous dis ciao, portez-vous bien. Et j'espère que ça vous a plu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ça. Je sais qu'il y en a plus qui me demanderont plus pour les skins. Mais ça viendra prochainement. Ciao, ciao.